Salut, aujourd'hui on est au rassemblement de Montgolfière et on va répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cet engin volant. Et avec nous, trois experts pour nous répondre. La Montgolfière est composée de trois éléments essentiels. La nacelle, bien sûr, où on met tous les passagers et le pilote. Le brûleur au-dessus qui nous permet de chauffer l'air et l'enveloppe. La Montgolfière est le moyen le plus incertain d'aller d'un point à un autre. C'est difficile de dire qu'on se dirige en Montgolfière, mais on peut utiliser des vents à différentes altitudes qui sont différents et qui nous permettent d'aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Les conditions météo pour voler en Montgolfière sont nuancées. Un petit peu de vent, pas trop, pas de pluie, un air stable et des conditions qui permettent aux passagers aussi de faire un vol d'initiation qui soit agréable. Pour être pilote de Montgolfière, il faut avoir la passion du ballon. Ça, c'est indiscutable. C'est plus qu'une passion, c'est un virus. C'est comme les engrenages, quand on met le doigt dedans, eh ben, ça y est, on est pris. Hein. Quand on est en vol, c'est vraiment le bonheur absolu. On vole, c'est d'ailleurs le premier rêve de l'homme. Quand tu voles, c'est léger, c'est libre, oui. c'est la nature et le vent qui décident. Sentiment de liberté, on oublie un peu ce qu'il y a aux alentours et puis on n'a plus qu'à contempler quoi, le paysage. On a eu un beau temps en plus, donc parfait. Et on peut dire qu'en 35 années, on a eu tous les pays du monde qui ont été représentés et tous ont envie de revenir au Puy-en-Velay et de visiter la Haute-Loire.